Le VABF Festival, c'est une multitude d'images qui commencent de la partie nature. Regardez en dehors, c'est un scénario impressionnant. Évidemment, la partie, la beauté des artistes, des musiciens que nous avons ici, mais je pense aussi la beauté de notre public. Donc, dédier un seul image, c'est presque comme ça. C'est le VABF Festival, c'est la plus beau image. Mais moi, je pense qu'il y a deux manières de s'engager. Une, c'est à travers de l'argent, de créer une fondation, ou d'apporter, etc. Et la deuxième, qui n'est pas à sous-estimer, c'est l'engagement personnel en faveur d'eux, comme participants. Et je m'ai engagé dans les deux secteurs parce que je suis convaincu que la vie sans la culture n'existe pas, ne peut pas exister. Et il faut que la culture devienne plus forte pour faire la balance vers les politiciens. Je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas s'imaginer les arts sans la philanthropie. Malheureusement, et surtout à cause de la grande crise financière, les gouvernements sont en train de se retirer de plus en plus, de sponsoriser, de supporter, de soutenir les activités culturelles. Et c'est donc la philanthropie et le secteur privé qui doivent complémenter beaucoup ces activités. J'aimerais bien que la culture aura une influence plus grande sur les politiciens de ce qu'il n'a pas aujourd'hui.